il arrive à faire le tour du monde, à la différence de l'avion. Et aujourd'hui, nous avons aussi un projet sur pour les enfants, donc on va t'adjoindre avec le Maroc, notamment. Pour ce qui est de la colonisation, le droit international ne reconnaît pas la colonisation. Mais en revanche, le droit international ne reconnaît pas non plus le boycott. Donc, M. Richard, le patron d'Orange, peut définir tout à fait la stratégie commerciale, il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas question qu'on se lance dans un boycott qui n'est pas reconnu par le droit international. Voilà.